Peggy 18. Ah, il y a un coéquipier comme moi qui est... Oh, putain, fais chier. Eh bien, salut à tous, ici c'est Black5Z, comment allez-vous? Moi je vais super bien, donc je suis ici pour vous présenter un gameplay sur World War Z, un jeu qui a été inspiré du film World War Z avec Brad Pitt. C'est un jeu de zombies à la troisième personne. Il est sorti le 16 avril 2019 sur PS4, Xbox One et PC. C'est un jeu franchement immersif, on est à fond dedans. Enfin, il y a des vagues de zombies, c'est vraiment énorme. C'est la première fois que je vois... Non, c'est pas la première fois que je vois un jeu comme ça parce que je trouve qu'il ressemble énormément à Left 4 Dead. Oui, je crois que c'est ça. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer un gameplay entier, c'est-à-dire sans coupure pour voir à peu près comment ça se passe. Mais voilà. C'est plutôt un jeu où tu te défoules, où tu défonces que du zombie, tu t'éclates. Mais par contre, je trouve que les missions à faire, c'est pas terrible. Je trouve que c'est répétitif. Tu dois, par exemple, souvent appuyer sur un bouton pour ouvrir des portes. Aussi, tu dois défendre un collègue qui réarme, je sais pas trop quoi. Enfin bref, c'est souvent ça qu'on fait. Mais franchement, il y a du bon. Il est pas mal. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer le multijoueur. Mais pas sur cette vidéo-là. Donc, je vous dis à tout de suite pour le gameplay. Alors, c'est parti. Nous sommes sur ce fameux jeu World War Z. Donc, comme vous pouvez le voir dans le sommaire, il y a le mode campagne en coop, multijoueur, collection, paramètres. Et bien sûr, quitter. Donc, nous allons faire une partie en mode campagne, en coopération. Mais hors ligne parce que j'ai personne avec qui jouer. Mais c'est juste pour vous montrer le gameplay, comment ça se passe, comment il est. Et franchement, j'ai joué, j'ai fait quelques parties avant. Franchement, il est sympa à jouer. Bon, je vais vous expliquer ça quand je vais jouer. On va prendre une carte au pif. On va prendre support technique. Voilà. Donc là, après, on peut choisir nos personnages. Par exemple, nos classes, on va dire, il y a plusieurs classes, il y a fantassin, artificier, infirmier, agent d'appui, suriner, exterminateur. Donc moi j'ai pris fantassin, je développe le fantassin pour le moment, après je vais développer les autres après bien sûr. Personnalité, on a... Voilà. Donc en gros, à chaque fois que vous terminez une mission ou un chapitre, plutôt une mission, on va dire, vous gagnez des je sais pas ce que c'est, je sais pas exactement comment ça se passe, on va dire des pièces, on va dire ça, et vous pouvez acheter des compétences. Par exemple, là j'en ai développé, là j'ai le dernier que j'ai développé, c'est compétences d'adrénaline, hein. Recharger une arme dont le chargeur compte moins de 25% de munitions donne un bonus de vitesse de rechargement de 50% pendant 5 secondes. Donc voilà. Donc il y en a pas mal à débloquer. Vous allez voir au fur et à mesure où jouer. Hein. Donc après on a les armes. Hein. On peut avoir... on peut débloquer... c'est-à-dire on peut rajouter des accessoires. Mais il faut payer avec des pièces. Pareil. Ça coûte cher quand même je trouve. Hein. 150 quand même. Juste, là c'est juste pour... Attends. Ouais, c'est juste pour mettre une lunette, 150 quand même. Ouais, quand même. Ouais, il y a pas mal d'armes à débloquer aussi. Donc voilà. Sinon, les personnages sont en fonction des chapitres. Donc il y a. Attendez. Voilà, il y a elle. On peut prendre n'importe, hein, vous allez voir, hein, il y a. Moi, celui que je préfère pour le moment, c'est... Non, c'était pas celui-là, c'était... Il est où? Ah non, c'est dans un autre chapitre. On va prendre lui. Lui, il est bien. Donc voilà. On peut faire aléatoire aussi. Donc voilà. Donc on va lancer la partie. Je suis prêt. Donc je... J'ai pas mis le premier parce que voilà... à mon avis, il y a plein de vidéos qui ont été faites dessus. Bon, j'ai essayé... Je fais une vidéo pour...
un peu plus loin. Donc voilà, alors nous sommes sur épisode 2, Jérusalem, chapitre 3, support technique. Atteindre le centre de contrôle et réactiver le système. Ne figurant sur aucune carte, la base de Raham est le centre de contrôle d'un système de défense satellite ultra secret. Il n'a plus donné signal de vie quand le virus a commencé à servir et pénétrer. Il pourra peut-être réactiver cette arme. D'accord. Allez, c'est Sit tight parti. back here, Doc. But I know the layout of the compound. Can't risk it, even with your pistol skills. We'll let you know when it's safe. Ah, c'est juste pour vous montrer le jeu en lui-même. Alors, vu que j'ai joué un peu avant, c'est pour vous dire que franchement, le jeu en lui-même, il est bien. Bah, parce que c'est un jeu plutôt où on se défoule. C'est un jeu à la troisième personne, hein, où faut se défouler, où il y a des tonnes de zombies qu'il faut buter, mais c'est hallucinant. Et ça me fait penser à Left of Dead, excusez-moi. Voilà, c'est voilà, t'es en coopération. Bah là, sauf que là, je suis avec aucun vrai joueur, je suis avec l'IA. Alors, problème avec l'IA, c'est que ils peuvent pas se soigner tout seuls, c'est à toi de le faire. Donc, c'est un peu chiant de temps en temps. Alors, quand ils sont à moitié, ils sont en dessous de la moitié de la vie, t'es obligé de les soigner parce que sinon, ils vont se faire défoncer. Enfin, bref, allez, c'est parti! Je vais vous montrer à peu près. Allez. Alors, fouiller les cadavres des soldats pour trouver la carte d'accès. D'accord, on doit trouver une carte d'accès. Donc là, il n'y a rien. Alors, comme arme principale, j'ai un petit pistolet. Et arme secondaire, une petite mitraillette. D'accord. Enfin, je dis d'accord, je connais, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc là, il y a des mines. Il y a des clés morts, on va dire. Bon, ça va arriver vite. Les zombies, ils arrivent. Hop. Une mine là. Donc t'es mort. Merde, à chaque fois je me cours. Merde. Ah, il y a tirallié, hein, bien sûr. Hein. Ah, je vous dis, hein, c'est du défonçage. C'est. Franchement, c'est. C'est un jeu où tu te défoules. Alors j'imagine même pas quand tu joues avec tes potes. Ça doit être vraiment kiffant. Alors. Rechercher. D'accord, il y a d'autres cadavres là-bas. Alors n'hésitez pas à fouiller partout, hein. Pour vraiment avoir des bonnes armes et tout ça. Voilà. N'hésitez pas aussi à tirer dans les clés morts pour éviter de vous les prendre parce que ça fait mal. J'ai eu ça. Donc voilà, là on peut recharger nos grenades tranquillement. Ah, là. Ah, j'ai déjà. D'accord, je cherchais 4. Alors on peut ouvrir les portes de garage pour voir ce qu'il y a dedans. Attention. Voilà. Donc là on regarde. Pistolet mitrailleur, ça me sert à rien. Arbalète non plus, ça m'intéresse pas. Donc on va chercher ailleurs. Alors l'IA, pour ce qui est question protection, vous êtes bien. Franchement, quand vous vous faites prendre par un gros mastodon, je vais vous montrer. Quand vous faites prendre par un gros mastodon et que voilà, parce qu'en fait le mastodon il vous prend et il vous éclate la gueule par terre. Bah, jusqu'à temps que un de vos coéquipiers le tue quoi. Mais ça va, l'IA réagit bien. Donc là on va fouiller le cadavre. J'ai pas encore la carte, donc c'est parti. On va fouiller tous les garages. Faut vraiment bien, bien, bien fouiller. Parce que des fois, vous pouvez avoir d'autres armes. Hein. Alors, lui, on va l'appeler Toxic. Toxic Man. Ah, voilà, c'est lui le mastodon. Lui, quand il vous charge, il vous saute dessus et il vous explose la gueule. Donc faut vraiment le buter en premier parce que sinon il vous prend et puis bah il vous explose la gueule par terre. Donc on va ouvrir cette porte de garage. À mon avis, il doit y avoir un zombie dedans parce que. Alors lui, ce zombie-là, il vous saute dessus. Bah là, j'ai pas, il n'a pas le temps de vous.
Il n'a pas le temps de me sauter dessus, mais il vous saute dessus. Et puis voilà, c'est... il faut le tuer avant, quoi. Donc là, on va fouiller encore le cadavre. Allez, c'est parti. Alors, comme arme secondaire. Alors oui, on a des armes secondaires. Non, pas de, pardon, excusez-moi, pas des armes secondaires. On a des armes lourdes. Mais le problème, c'est qu'avec les armes lourdes, on n'a qu'un chargeur. C'est-à-dire, si j'ai une grosse sulfateuse, j'ai 100 balles, mais je peux pas recharger. En gros, l'arme disparaît, quoi. C'est, je trouve ça un peu dommage, parce que ce serait bien, en plus, avec tous les zombies qu'il y a. Voilà, regardez. Lui, il vous saute dessus. Je vous montre, voilà. Il fait ça. Bon, après, voilà, mes coéquipiers m'ont aidé. Alors, on a souvent des caisses. Attendez. On a des caisses comme ça, des caisses d'armes, de munitions. Faut surtout pas hésiter à en reprendre parce que les munitions, ça part tellement vite. Là, c'est du pompe. Ouais, non, je vais garder ma petite mitraillette quand même. Les munitions partent tellement vite que, voilà, vraiment, dès que vous avez fini une vague d'ennemis, parce que des fois, il y a des vagues d'ennemis, elles sont vraiment nombreux. Cherchez des munitions, en fait, faites le tout pour te recharger à fond, parce que sinon vous êtes dans la merde. Après, vous avez la mêlée, hein, comme quoi, enfin voilà. Oula. Voilà, vous voyez, vous entendez, là il y a une vague d'ennemis qui arrive. Donc qu'est-ce que j'ai là-dedans? Voilà, ça c'est une mitrailleuse lourde et. Merde. Et dès que... Voilà. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, le gros mastodonte, comment il éclate. Et vous allez voir, l'arme lourde que j'ai, dès que j'ai plus de balles... Mais casse-toi, toi aussi, l'allié. Dès que j'ai plus de balles, voilà, l'arme disparaît. Je trouve ça dommage. Putain, merde. Il est en train de se faire bouffer. Alors, on a... Putain, faut qu'on aille sauver notre équipier. Vite, vite. Ah, la vache! C'est une grenade, moi, je voulais voir. Voilà, hop. Oh, c'était chaud, là. Oh, parce que... Merde. Ça donne de la vie. Alors, oui, il y a le hurleur, on va dire. On va l'appeler le hurleur. En fait, c'est lui qui fait ramener les zombies, en gros. Voilà, il est là-bas. Oh, putain, lui. J'ai un coéquipier qui est pas bon, là. Est-ce que je peux te donner de la vie? C'est à qui faut que je donne de la vie? Attendez. On va essayer de trouver de la vie parce que... Enfin, des... Des soins, parce que là ça va pas du tout. J'ai un collègue qui est pas bien du tout. Et voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il peut pas se ranimer. Enfin, il peut pas se soigner tout seul. C'est à toi de le faire, donc je trouve ça un peu chiant. Surtout quand t'es en pleine action et qu'il y a beaucoup de zombies qui t'arrivent sur la gueule. Je pense pas que t'aies le temps de soigner tes coéquipiers. Donc alors attendez. Non, on peut pas aller par là. Oh merde, j'ai fait le tour. Attendez. Voilà, on va aller là-bas. Voilà, on va prendre des soins. Est-ce qu'il y a des soins au moins? Ouais, il y a des soins. Je vais soigner mon coéquipier qui est pas bien. Il est où? C'est qui? Dina. Elle est où? Ça, c'est la meuf. Hop. Voilà, hop. Je vais reprendre un autre. On va recharger nos munitions. Ah, faut vraiment faire ça souvent parce que sinon, vous êtes vraiment mal barré. Les grenades aussi. Et là, on doit... Ouais, j'ai retrouvé la carte. Donc. Donc là, je place une charge pour défoncer la porte. On se casse. Allez, c'est parti. Donc, ouvrez souvent la caisse, hein. Comme ça, vous avez des bonnes armes de temps en temps. Voilà. Donc là, des caisses comme ça, ça vous permet de mettre... des fils barbelés. Voilà. Pour faire une défense en fait. Pour défendre.
l'endroit où vous êtes. Là, c'est quoi? C'est une tourelle. Donc, la tourelle, je peux la placer là-haut. Merde. Voilà, c'est une tourelle automatique, il me semble. Voilà. Voilà. Hop. Là, j'ai une tourelle manuelle. Donc, je peux la prendre. Donc, il faut essayer d'en placer plusieurs. Mais je sais pas si on peut dire à nos alliés par exemple de prendre une tourelle ou pas. Allez, ils arrivent. Là, il y a un gros mastodonte, vous voyez. Là, il est prêt à charger. Vous voyez hein, ce que je vous ai dit. C'est un taille. Il faut vraiment lui mettre des balles hein, pour le défoncer. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire hein? Attendez. Donc là, il y a une... Voilà. Alors oui. Alors des fois, il y a des portes. Il y a des portes où on peut pas les ouvrir comme ça. On est obligé d'avoir une charge explosive pour les avoir. Alors, faut vraiment chercher partout parce qu'il y en a, cachés. Et ça, dès que vous les avez, bah, ça vous permet d'ouvrir des portes avec des chaînes comme ça en fait. Donc là, je sais pas où il y en a. Attends, je vais peut-être aller chercher là-bas. Est-ce qu'il y en a Non, il y en a pas là. Oui, mais toi, tais-toi. J'allais dire ta gueule, Ah, je l'ai dit. Oh, putain! Voilà. Alors lui, il est trop chiant. Il se met dans des endroits bien cachés. Alors, après, c'est à vous de choisir hein, ce que vous aimez comme arme. Oui. Donc, j'ai la carte d'accès. Je vais lui donner. Alors là, encore, ça va. C'est le début de... C'est le début du chapitre hein, de l'épisode, donc ça va encore. Donc moi, je vais me mettre à une tourelle manuel. Non, on va pas prendre celle-là. Prendre l'autre. Voilà, celle-là, elle est bien. Ah, c'est parti. Préparer la défense, j'ai déjà préparé. Ah, ça arrive. Vous voyez, ils arrivent. C'est parti. Ah pareil hein, sur les grosses mitrailleuses fixes comme ça, on a des munitions limitées. Donc faut vraiment faut pas non plus tirer n'importe comment. N'hésitez pas aussi à tirer sur les bonbonnes de gaz hein, s'ils arrivent à passer. What the fuck is taking so long? À toi, j'en ai plus. Là, j'en ai plus. Là, ils vont arriver à péter. Merde. Grenade. Je vous dis, hein, c'est un jeu de bourrin, c'est un jeu où tu te défoules grave. Attends, il y a une autre tourelle là-haut, je suis con. Attendez. Merde. Allez. Donc là, j'avais mis le fil barbelé, donc... pénétrer dans le bunker. Ouais, faut qu'on se casse parce que là, ils sont vraiment... Allez, allez, on y va, on fonce. Allez, venez. Voilà. Ferme la porte, gros. Allez, viens là. Non, faut pas que tu meurs. Oh, de toute façon, après, ils reviennent, c'est pas grave. Il y a un coéquipier comme moi qui est... Oh, putain, fais chier. Il va revenir après, c'est pas très grave. Mais non, mais il est à l'intérieur, lui. Oh, le bug du jeu. Ah ouais, il y a un bug du jeu, là. Oh, le vieux bug. Putain, j'hallucine. Il était venu avec moi, le... Il n'y en avait qu'un qui était pris au piège. Non. Down this tunnel, machine room.
Oh là, il y a vraiment eu un bug du jeu. Ah ouais. Ils vont revenir, hein, ne vous inquiétez pas. Merde. C'est mon collègue, c'est mon coéquipier donc. Ah, je vous dis, c'est vraiment chaud, hein, t'as pas le temps de. Putain, j'ai plus de balles. Ah, j'ai plus de balles. Vite, 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 des munitions. Voilà, vous voyez, ils sont revenus. Mastodon. Lui, il faut vraiment le défoncer. Est-ce que... Oh putain, la vache. Hey, il est dur à tuer, lui, hein. Allez, faut qu'on se recharge vite fait. Avant qu'une autre vague d'ennemis qui arrive. Ouais, faut vraiment les soigner. Hein. Merde. Je sais pas s'ils peuvent se soigner tout seul, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Non, Daniel, je t'ai déjà soigné, toi. Merde, c'est toi, attends. Allez, allez, allez. Voilà. Putain, faut que j'active le truc. Vite, 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 vite. Allez, allez. Allez, allez, allez. Tourelle, ça sert bien. Attendez, je vais reprendre des grenades. Couvrez-moi. Allez, c'est parti. Ah! Et lui, il surprend souvent, lui. Combien de fois il m'a fait peur, sauf fight de merde. Des algues de l'autre côté. Allez, allez. Putain, la vache. Couvrez-moi. Je recharge de grenade. Oh, c'est vraiment explosif. C'est vraiment hardcore, quoi. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit. Il y a tirelier. Putain, j'ai mis un truc électrique. Vite, vite, vite. Voilà. Grillage électrique. Ah! Mastodonte! Oh, voyez! Oh, comment il nous explose la gueule, lui! Comme ils explosent la gueule par terre, laisse tomber, il fait trop trop mal. On se recharge. Je vais me remettre de la vie là parce que. Il n'y a plus de grenades. Non. Bon bah écoute, il n'y a plus de grenades. On y va, c'est pas grave. Donc là, faut que j'active. Utilise le panneau de commande pour démarrer le ventilateur. Ok. Vous avez cette arme là, coup par coup. Mais quand t'as une vague de zombies, ça sert strictement à rien. Allez, on se recharge. Ah, j'aime bien celle-là. We cover the dock. Get him some time. Allez, c'est parti. I can't do it alone. Attendez deux secondes. Okay, well, regarde. Donc là, on peut aller là-dedans.
voyez, il y a des caisses. Faut vraiment fouiller partout. Celle-là aussi, cette arme-là, elle est pas mal aussi. Ok. Ok. Où ça arrive? Tu devrais la mettre. Oh, il m'a sauvé lui. Ah, attendez. Ah, mastodon. Voilà. Mettez une tourelle là. Voyez, vous avez plusieurs sortes d'armes. Je dis à chaque fois que vous avez le temps de vous, comment dire, vous réapprovisionner, n'hésitez pas hein, parce que franchement les balles partent très très vite. Les munitions, ça va très très vite aussi. Attends, on va remettre une deuxième tourelle fixe. Voilà. Better be quiet. Activé. Ah, celle-là, quoi. The console on the low floor. Start it up. Allez, on y va. Ah putain, voyez. Ah, il me fait chier lui. À chaque fois, je me fais baiser la gueule par lui là. Protéger, ouais, faut qu'on protège notre coéquipier, notre collègue là. Allez, c'est parti. Attends, il y a la tourelle qui protège bien. Ils sont quand même en temps. C'est chaud quand même. Faut que je réactive. Putain, fais chier. Allez, c'est parti. Ah, c'est dit, hein, c'est chaud. Hein. T'as pas le temps de t'ennuyer. Alors, on peut avoir une arme secondaire. Ah, toxique lui, chiant. Putain de merde. Qu'est-ce qu'il est parti se foutre là-dedans lui? Il va falloir que je sois Ethan parce qu'il dit pas bien. Bah ouais, mais tu te fous de moi. You Ethan. Now the telemetry uplink. The key on the instrument panel, turn it.
Ah ouais, faut vraiment surveiller tes collègues, faut surveiller tout, hein, parce que sinon t'es dans la merde. Est-ce qu'il y a des munitions? Il faut que je reprenne trop des munitions. Voilà, c'est là. Des balles, des grenades, je veux dire. On va prendre cette arme là. Elle est bien celle-là aussi. Ah, c'est parti. On protège. Alors vous allez voir, si vous achetez le jeu, vous allez voir au bout d'un moment, c'est un peu, je trouve que c'est un peu répétitif. On fait à peu près toujours la même chose, activer, protéger un mec et puis voilà quoi, c'est ça quoi. Mais franchement, le jeu en lui-même, il est bien. C'est du zombie, ça te défoule. Oh putain. Ah putain, vous voyez, à chaque fois j'oublie qu'il y a un zombie comme ça là qui te saute dessus comme une vieille merde. Merde, j'ai pris une arme. Oh non, c'est pas celle-là que je voulais. C'est un pro. Oh, merde, allez. Allez, faut qu'on l'aide. Merde, allez. On peut le soigner lui. Non, on peut pas. Hein. Faut que ça bouge, faut que ça bouge. Ça bouge. Oui. Allez, on bouge. Faut qu'on active les trucs. Merde, c'est bon. Allez, merde, tu restes bloqué. On retourne. Trois diminutions. On reprend de la vie. Allez, on y va. Objectif quoi? On va fermer. Voilà. Phoenix, we're moving to the roof. Ah! Oh putain de sa mère! Horde en approche, protéger. Allez, on va essayer de mettre tous les pièges, tout ce qu'on peut. Non, on va le mettre là. Ah putain, casse-toi toi. Ah, à chaque fois. Allez, on y retourne. Dès qu'on est prêt, on peut commencer le combat. Vous voyez là sur la porte, Phoenix, donc ça, là, hop. Phoenix, hop, déployer le droit. Est-ce qu'il y a autre chose? Faudrait que je regarde. We're in deep shit. Phoenix. Dina, viens là toi Dina. Je donne la vie, je te soigne. Enfin, je leur donne du soin. C'était pas bien. Allez hop. Charles. Est-ce que tout est bon? God damn it, Phoenix.
we need evac. Alpha, I read you. Phoenix, air defense down. Requesting immediate evac. Allez, c'est parti. Oh, c'est bien sur la mini-carte, hein, ça t'a... Oh ouais, il y en avait un autre. Sur la mini-carte, ça t'indique où est-ce qu'ils attaquent. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bon, bon. Donc là... Je vais prendre la tourelle. Donc là j'ai mis la clôture électrique, hein, donc ils se font électrocuter. Allez, on va à l'autre côté. If they get too close, I think these panels open the floor grids. Throw a grenade! Switch sides! Swarm inbound! Mow them down! Ah, faut vraiment être concentré, hein. This'll slow him down. Watch that goddamn lurker! Auto turret's locked and loaded. I'm reloading! Ah, c'est tendu, hein. C'était vraiment chaud, hein. Oh la vache. T'as envoyé un napal là. Terminé. Oh bah ils ont fait le nettoyage. Ah tu m'étonnes, quand c'est comme ça, faut pas se faire chier je crois. Donc voilà, j'espère que ce petit gameplay vous aura plu, hein. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Pour ceux qui veulent jouer avec moi, mon game tag Epic Game, parce que c'est sur Epic Game que je l'ai téléchargé, je l'ai acheté, oui je l'ai acheté 35€. Alors mon game tag sur Epic Game c'est BlackP5Z, faut pas oublier le P, donc c'est BlackP5Z. Donc ceux qui veulent venir jouer avec moi, qu'on fasse un petit gameplay ensemble, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!